Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons voir la BF de 3D Mekart, la Behive. Donc moi c'est un quick view quoi, c'est un quick view, c'est la box de Erwan, merci. Au Vapéro de Pointvape, à la route de Nice, Antibes, pas loin de la gare. Donc il m'a fait découvrir cet atout, j'allais dire, cette box BF Meca avec son petit Adali dessus, quoi. Donc il a mis un col raisonnable et une VTC5. Donc en calculant la loi d'Ohm, on sait que ça va aller. On sait que ça va aller d'avance. On sait quel accu choisir dedans selon le col qu'on y met. Bon, sur un Adali aussi, on va pas mettre du 0,005, non. Donc déjà. Donc c'est un quick view, c'est pour ceux qui voudraient voir un peu cette box, quoi ressemble, les explications de Erwan qui la connaît très bien, qui a beaucoup de recul dessus, la version 1 et la version 2. Donc on va voir ça tout de suite là. Petite box BF, c'est laquelle celle-là? C'est la BI, c'est celle qui avait, celle qui a aussi Obi-Wan Vap. C'est normal. Exact, exact. La boîte de colle, c'est pour moi. Avec le Adali. C'est la V2 avec le lock. Juste à tourner le lock. Ah, ça c'est cool le lock. Et il est verrouillable. Yes. Donc ça c'est top ça. La mêle argent avec un VTC5, un normal. Ouais. Ma femme elle les adore. Coil en combien? Là c'est un 0,30. 0,30? Ouais ça va. Un Clapton classique. Clapton. Si tu ferais descendu plus bas, plutôt un VTC4. Ouais. Et tu vas pas avec quoi du coup en VTC5 hein? VTC5. VTC5. Ouais, le truc blocable. Non, ouais. Ouais, je sais la même. Je sais tout, moi j'ai des Français. C'est 3D Mekart qui fait la box. Elles sont jolies celles-là, j'aime bien. Ouais, très bien, le switch il bouge pas. Putain, moi j'attends. Ouais, il peut bloquer le switch et tout. Ça réagit, non, c'est vraiment très bonne BF. Il va du tabac. Après, c'est cher pour ce que c'est en plastique. Hein, mais sur la V2, ils ont mis un MM510. La première version était moins bien. Il n'y avait pas le switch verrouillable. Je n'étais pas avec un MM510. Ils avaient mis un. C'est celui qui suinte, tu sais, avec la rainure. Tu bouges avec la rainure là. Et j'avais un pote qui l'avait. Alors, par contre, ça m'a fait super bien. Par contre, ça saoulait. C'était tout le temps plein de suintement et tout. Et dès qu'ils ont fait la V2, je l'ai trouvé d'occasion. Là. Ouais mec, t'as pas des mains là-dessus non? Hein? T'as pas des mains dans le canapé? D'accord, c'est juste vraiment. Ah, c'est vraiment posé. Non, le chemin, Maxime, il est un peu pareil. Comme un petit clips quoi. Ah, t'as juste un petit bruit. Ouais, derrière aussi, elle se retire, t'as juste un. Non, dire ah, moi. Donc, c'est une box BF Meca High Hand haut de gamme. Donc, c'est une box que j'allais. Je comptais pas prendre, donc je pense pas que j'allais la reviewer quoi. Donc j'en ai profité là pour écouter toutes les explications et de faire le partage quoi. Donc j'en ai une box BF Meca que j'utilise pas souvent quoi. J'utilise plutôt des électros. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cette présentation et les explications d'Erwan, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche et à laisser des commentaires aussi. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles revues vidéo, tuto, quick look et vapéro. C'était Nasvap et n'oubliez pas que si le courant passe, ça vape bien.